Salut les pilotes, on se retrouve sur GT Sport pour une course en Alsace en groupe 3 avec la Nissan GT-R GT3. Alors très franchement, quand j'ai lancé cette course là, j'en attendais pas grand chose. L'Alsace c'est pas un circuit que j'aime plus que ça. J'ai choisi de faire ça avec une voiture que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. D'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas roulé en Alsace non plus. Et donc très franchement, j'attendais rien de spécial de cette course. Je m'attendais pas ni à un bon résultat ni à un mauvais. J'avais juste envie de faire une course comme ça quoi, pour le fun. Je pars en 7ème position, rien de spécial quoi. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Franchement, j'ai pas été déçu de cette course. Début des hostilités, je ne rate pas trop mon départ. Souvent on rate son départ comme ça, surtout que j'étais légèrement dans le virage toujours. Mais là ça a été, j'ai pu gérer mon accélération et ne pas perdre trop de temps. Je commence déjà à me rapprocher de mes adversaires au premier virage et c'est cool, hein. Franchement c'est très cool. Je suis largement en position de tenter quelque chose dans la prochaine zone de freinage et tout se passe pour le mieux. Je me mets à l'intérieur et je le double tranquillement. En fait c'était facile. Dive bomb totalement maîtrisé, propre, il n'a rien pu faire. Mais il n'est pas loin derrière. Et si je veux garder cette place que je viens de gagner, je vais devoir me défendre. Chose que je vais faire, je vais me placer tranquillement à l'intérieur pour l'empêcher de doubler. Et ça va marcher hein, dans les grandes lignes. Ouais. Parce que je suis un bon pilote. Mais je vais pas réussir à faire ça éternellement. Hein. Je vais pas pouvoir passer tout mon temps à défendre. Là, je défends encore. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Mais là, à la sortie de ce virage-là, il réussit à s'insérer par l'extérieur et à me doubler. Donc, un petit peu dommage, mais je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le refaire, je me dis. Zone de freinage suivante, je retente ma chance à l'intérieur, comme ça. On se touche même légèrement, mais sans gravité. C'est pas passé, mais qu'à cela ne tienne, on est au coude à coude, je vais retenter ma chance au prochain freinage. Je lâche rien, je suis dans son dos, je prends la spi, je prends de l'avance ici, je passe devant lui, ce qui est un petit peu dangereux avec le recul. Je freine assez tard, hein. J'ai une trajectoire un petit peu loupée, mais là, je prends l'intérieur comme ça, ce qui l'empêche de doubler à nouveau. Ici, j'essaie de protéger ma position, mais je me rends compte qu'il est assez loin et je préfère revenir sur la ligne idéale pour prendre une bonne trajectoire et perdre le moins de temps possible. Et là, finalement, il part à la faute et c'est la fin de notre petite bataille qui était fort sympathique sur un tour. Alors maintenant, je vais essayer de rattraper un autre pilote espagnol, Squalidhead, qui est au volant de la Mazda Concept. Mais lui aussi il part à la faute et donc je peux le doubler tranquillement parce que moi j'ai pas commis d'erreur. Il a légèrement touché mon pare-choc arrière mais rien de bien méchant. Et à partir de là, je suis plutôt tranquille. Alors ça va me donner l'occasion de revenir sur ce circuit qu'on voit pas si souvent. Là j'ai complètement loupé mon apex. C'est pas comme ça que je vais pouvoir rattraper les gars qui sont devant. Donc je disais revenir sur ce circuit. Qui en soi n'est pas si mauvais, hein. Il n'est pas moche, le tracé est sympathique, il y a des virages assez techniques à prendre dedans. J'aime bien le décor aux alentours, c'est pas trop mal en fait, le décor, le petit village alsacien là, c'est plutôt sympathique. Non, franchement, il y a une seule chose qui me dérange dans ce circuit, c'est la piste en elle-même. Essayez de me faire croire que ça c'est une petite nationale, les gars, je suis désolé, mais non, c'est pas une petite nationale. À la limite, assumez l'idée que quelqu'un a décidé de tracer un circuit au beau milieu d'un village alsacien. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Le Nürburgring, il a bien le nom du village qu'il traverse quasiment. Donc ouais, voilà, j'aurais préféré, quoi, plutôt que d'essayer de me faire croire que c'est petite route normalement, là ça passe pas en fait parce que aucune nationale française n'est large à ce point et j'ai de quoi mettre deux voitures sur chaque voie.
Moi qui ai l'habitude d'en voir des nationales françaises, je suis désolé, mais ça casse un peu. Ça casse un peu le. Je ne sais plus comment on dit ça. J'ai un trou de mémoire. L'immersion. Voilà. Immersion. Ouais, tout ça de temps pour trouver le mot immersion. Mais quelle tristesse. Franchement, je me fais pitié. Enfin bref. Le pire, c'est que quand j'y réfléchis un peu, ils ont réussi à reproduire cet effet en fait. Parce que ça fonctionne plutôt bien pour le circuit de Sardaigne. La partie qui fait un peu route, là, franchement, on a vraiment la sensation qu'il y a une portion route et puis une portion vrai circuit permanent en fait, sur le circuit de Sardaigne. Bah, ils auraient pu faire quelque chose comme ça pour le circuit d'Alsace en fait. Mais là, niveau immersion, ça fonctionne pas. Le circuit est pas crédible en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après ça enlève rien au charme de ce circuit. Je dirais, au niveau de la technicité qu'il réclame en pilotage. C'est un circuit qui est agréable à rouler. Par contre, Sainte-Croix, pour moi, Sainte-Croix, c'est une abomination. Ouais, bon, bref, je vais pas m'étendre sur Sainte-Croix. Je n'aime vraiment pas ce circuit. Le temps passe, je n'arrive toujours pas à rattraper les pilotes qui sont devant. D'ailleurs, je commets très peu, mais je commets quand même des petites erreurs de pilotage, de trajectoire. Et là, je commence vraiment à me faire à l'idée que, bon, bah, cette course, je vais la terminer 5e. C'est pas mal, hein. Franchement, 5e, c'est plus que correct. Hein. Ouais, pour une petite course sur 5 tours, comme ça. De toute façon, comme je disais, cette course, j'en attendais pas grand-chose. Donc là, pour le moment, je suis pas déçu. On entame le dernier tour. Et ouais, non, je suis vraiment pas déçu en fait. Non, là ça va, je suis tranquille. Je suis pas hyper rapide non plus, c'est pas la course du siècle. Mais ça va, ça plus que va. En fait, disons qu'à ce moment-là, je suis dans une espèce de neutralité totale de sentiments. Je suis pas mécontent, je suis pas content, je suis là. J'avais envie de piloter, je pilote. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. J'ai pas eu à subir genre des pilotes qui ont voulu faire des dive bombs de n'importe quoi. J'ai eu une petite bataille sympa au début de la course avec un pilote espagnol qui était lui aussi bien, au moins aussi fair play que moi. Non, franchement, que du bon. J'approche tranquillement et surtout sereinement de la ligne d'arrivée. Mes adversaires derrière sont loin, ceux de devant sont assez loin aussi. Et là, ben, surprise, les deux New Beetle qui étaient devant moi se rentrent dedans, se percutent. Et je gagne 2 places juste avant la ligne d'arrivée et finalement je termine 3e. Alors franchement, pour une course dont je n'attendais rien, là, j'ai été servi. Mais vraiment. Car sérieusement, lancer une course sans aucune prétention et la terminer sur le podium, mais que demande le peuple? Sérieux? Bon, ben sur ce, ben je vais vous dire ciao!